Hello le monde, j'espère que tu vas bien. Le live va commencer dans quelques secondes. Et ben, c'est pour la deuxième session de travail, NaNoWriMo, le défi écriture d'un manuscrit en 30 jours. Indique-moi en commentaire comment tu vas. J'espère que ça se passe bien et qu'on va pouvoir échanger là-dessus. Voilà. Je vais vérifier de mon côté que tout se passe bien. Indique-moi en commentaire d'où tu viens. Pose-moi toutes tes questions par rapport à l'écriture ou par rapport à ton projet en général. On est là pour échanger, passer un moment ensemble, donc c'est parti. Indique-moi en commentaire d'où tu viens. Pose-moi toutes tes questions par rapport à l'écriture ou par rapport à ton projet en général. Ok, c'est On est là génial, pour échanger, ça passer un moment fonctionne. On va ensemble. partager ça. Et en même temps, ben, je vais activer la webcam. Alors, partager, hop, partager dans le groupe. Ok, c'est génial, ça fonctionne. On va partager ça. Et en même temps, ben, je vais Voilà. activer la webcam. Partager. Ok, génial. J'espère que tu vas bien. Indique-moi en commentaire comment tu vas. Je vais regarder qui est présent. Je vais couper le son par contre. Prends de quoi boire, prends de quoi t'hydrater, prendre des notes. Et on va passer à cette deuxième session de travail, NaNoWriMo. Alors, pour rappel, le défi NaNoWriMo, c'est un défi qui consiste à écrire un manuscrit en 30 jours, et donc là j'en suis à 6381 mots, en sachant que c'est un manuscrit que j'ai repris de 2017, donc j'ai pas écrit 6381 mots en une heure la dernière fois, mais c'est bien, voilà, j'ai écrit je crois 200-300 mots, j'étais pas fort inspiré, mais ça m'a permis au moins de mettre le projet en route. Et l'idée, bah, c'est de pouvoir partager aujourd'hui aussi plusieurs nouvelles, puisque bah, forcément j'ai eu mon anniversaire hier. Il y a eu le salon Mind and Market qui s'est déroulé, que tu peux voir ici. Donc Mind and Market, ça s'est déroulé hier à Liège. C'était la première fois que ça se passait à Liège. J'avais déjà fait Charleroi. Et j'ai une grande, grande nouvelle à t'annoncer, à vous annoncer. C'est que, eh bien, je vais prendre la page ici. Hop. Le lauréat de la catégorie service B2B B2C du Mind and Market Liège et David Valls, porteur du projet Emotional Business Model Canva. Wouh! Donc j'ai été lauréat. J'étais lauréat hier, donc j'ai gagné la catégorie et dans la catégorie service B2B B2C. Et donc j'ai l'opportunité bah, de faire un dépôt de marque et j'ai reçu aussi la possibilité de faire une vidéo de 3 minutes par rapport à la Web TV Fait des Web, que vous pouvez aller découvrir. Donc la page Facebook c'est Fedeweb TV
Et vous pouvez également aller découvrir Distinctive IP Benelux qui m'offre du coup le dépôt de marque pour l'Académie Emotional Business Model et le livre Mets du bonheur dans ton business. En tous les cas, je suis super fier d'avoir pu échanger. Merci à Eclos et pour l'organisation et au Mind and Market en général. Donc voilà, lauréat de la catégorie service. Je suis lauréat. Merci, merci beaucoup. J'irai mettre une réponse tout à l'heure. Et donc hier, j'étais là-bas pour mon anniversaire. J'ai passé une super journée. J'ai fini la soirée avec des amis. Ça s'est super bien passé. Et l'idée, c'est de pouvoir aujourd'hui vous partager cette nouvelle. Puisque voilà, je suis assez fier de ça. Je regarde en même temps s'il n'y a pas des commentaires de personnes qui rejoindraient le live. Voilà. Hello Myriane, j'espère que tu vas bien. Indique en commentaire comment tu vas. Et donc aujourd'hui, on va reprendre le projet d'écriture 28 jours à vivre, 28 principes pour changer de vie. Alors j'ai réouvert déjà hein, toutes les pages pour pouvoir rebondir dessus. Donc j'ai une page. Pour l'instant, je travaille sur Google Docs. Alors, je vous conseille vraiment, si vous avez la possibilité, investissez dans Scrivener. Je vous en ai déjà parlé. Scrivener, c'est un logiciel qui vous permet, eh bien, de créer des dossiers, des sous-dossiers. Et donc, voilà, ici, du coup, là, je vais vous montrer, par exemple, pour de la non-fiction. On va, par exemple, voilà, créer un projet, peu importe. Je dois lui choisir un nom. Ben non, je vais reprendre, tiens, le projet. Je vais ouvrir un projet, tiens. Le projet. Mets du bonheur dans ton business. Hop. Mets du bonheur. Et là, on va rechercher le fichier. Voilà, ici. Et donc, en fait, ça vous permet ben, de justement avoir dans un même fichier Scrivener. Toutes les recherches que vous allez faire, toutes les éventuellement des dossiers, des sous-dossiers, enfin c'est vraiment un outil super sympa, donc je vais faire ça parce que sinon vous n'allez pas voir le côté. Donc voilà, il y a des onglets, des choses à retravailler, il y a aussi la possibilité ben, de faire des icônes, une légende, et donc vraiment il y a moyen d'aller très très loin, puis de changer éventuellement l'ordre, par exemple, voilà ici, si j'ai envie de mettre les 5 principes avant les témoignages, ben, je peux déplacer, vous voyez, c'est quelque chose d'assez simple. Et il y a aussi une vue comme si c'était un panneau de liège. Donc si je reviens ici au tout début, voilà, le livre, eh bien je peux ici, hop, mettre une vue et déplacer par exemple les témoignages et les mettre après remerciement ou avant. Et donc en fait il y a possibilité bah, ici de vraiment travailler visuellement son manuscrit et avec ici évidemment un résumé, on peut mettre des étiquettes, des catégories, bref, c'est un outil formidable, il est payant mais il est vraiment extraordinaire. Enfin moi je l'utilise pour les manuscrits plus conséquents. Par contre, pour ce manuscrit-là, j'avais commencé en 2017 et je n'avais pas forcément, eh bien, encore Scrivener. Je ne sais pas si je l'avais déjà ou pas. Mais en tous les cas, j'ai commencé à écrire le manuscrit dans Google Docs, ce qui fonctionne aussi très bien. Et l'idée, bah, c'est de pouvoir justement bah, échanger sur, enfin, échanger, pouvoir éventuellement permettre au relecteur de relire le livre, chose que Scrivener ne me permet pas forcément. Et comme ce n'est pas un grand, grand manuscrit, à mon avis, il va faire, parce qu'il y a plus ou moins 2 pages par principe, en sachant qu'il va y avoir une introduction, une conclusion, de plus ou moins les 10 pages, donc on va dire qu'on est à 28 fois 2 plus une dizaine de pages, ben on va être à mon avis une soixantaine de pages, hein. Plus, on va dire, allez, 10 pages. Ouais, voilà, 70 pages. Donc, c'est un manuscrit qui se veut pas spécialement très très long. Et donc, voilà, pour 70 pages, c'est pas forcément utile, surtout que la structure existe déjà. C'est pas forcément utile de partir sur Scrivener. Par contre, pour mettre du bonheur dans ton business, bah voilà, c'était 300 pages. Il y avait la structure a changé. Donc, j'ai eu une dizaine de structures différentes. Au départ, il y avait 5 parties, puis il y a eu 3 parties. Donc, ben voilà, l'idée, c'est vraiment
de choisir l'outil en fonction de ce que vous avez besoin. Ce qui est intéressant aussi, bah, par exemple, c'est qu'ici, on peut travailler. Donc, bah, moi, j'avais un coach, donc j'ai travaillé un peu avec lui ce que je voulais offrir. J'ai aussi travaillé, donc il y a une poubelle aussi, on peut mettre dans une corbeille, comme la corbeille de Windows ou de Mac. Il y a aussi les recherches que j'ai faites par rapport au bouquin. Donc voilà, il y a des statistiques, etc. Donc ben, pour la bibliographie, etc., c'est super intéressant. Donc il y a toute la partie recherche. Bref, tout ça pour dire que le manuscrit 28 jours à vivre, je l'écris plutôt dans Google Drive. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit... Donc un pied de page, voilà, je cherchais le mot. Et je vais indirectement mettre à vivre défi NaNoWriMo 2019 par David Valls Machine. Voilà. Comme ça, sur toutes les pages, j'ai ceci qui est ajouté. Et alors, on peut même rajouter un numéro de page si on veut. C'est magnifique. Voilà, donc il y a possibilité de faire déjà pas mal de choses avec du coup Google Drive. Bref, indique-moi en commentaire, toi qui regardes, Hello Myriam, oui, ça va bien. Scrivener, oui, c'est Scrivener, donc c'est, je vais te l'écrire, c'est avec un E, il y a un E en plus, Scrivener, comme ça. Voilà, comme ça tu peux voir. Hello à la deuxième personne qui vient de se connecter. J'espère que tu vas bien. Indique-moi en commentaire d'où tu viens et éventuellement quelles sont tes questions, tes attentes par rapport à tout ça. Donc ce que je vais faire bah, pendant cette session, c'est principalement relire un petit peu le manuscrit parce que j'avoue que j'étais pas forcément inspiré la dernière fois, mais je me suis peut-être replongé trop vite dedans parce que bah, ce que j'avais fait, c'est que j'étais parti sur par exemple l'écriture au niveau du jour 10 et je n'avais pas forcément comment dire, repris le temps de reparcourir le début. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reparcourir le début, voir un petit peu comment le livre est né. Parce que je me souviens, mais l'idée, c'est de voir comment j'ai écrit, peut-être déjà apporter quelques modifications. Et pour tout cela, bah, évidemment, je vais réenclencher un timer sur le site nanoruimo. .org qui me permet bah, de faire le suivi de ce défi d'écriture. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que on voit ici que j'ai eu one longest nano streak, et en fait, ça me permet ben, d'accumuler les streaks. Ce sont les sessions de travail, en fait, tout simplement. Donc, on voit ici, je suis à 6381 mots sur 50 000 mots. On va falloir se grouiller, à mon avis. Mais bon, voilà, on va y aller. Ça va aller, ça va bien se passer. Donc j'enclenche le chrono et puis ben voilà, je travaille. Donc si vous avez des questions, si vous avez envie d'interagir aussi sur ce que j'écris, ben on peut interagir ensemble. Alors en sachant que ben voilà, la dernière fois par exemple, il y a Delphine qui a contribué au bouquin, qui m'a donné deux trois idées. Donc ce que je vais faire, c'est que dans ce livre, je vais, à mon avis, exprimer le fait que c'était un défi et je vais mettre les personnes qui ont contribué. Donc si toi, aujourd'hui, tu as envie de contribuer, Myriane ou les autres personnes qui sont ici, présentes, eh bien, dis-le-moi et comme ça, ben, voilà, je te rajouterai à la liste des contributeurs puisque ben, l'idée, c'est de pouvoir collaborer. Alors, j'ouvre deux onglets. Il y en a un qui me permet d'avoir la table des matières et un autre qui me permet de jongler dans le livre. Comme ça, je peux jongler de la table des matières au manuscrit et au moment où j'en suis directement. Et ça me permet ben, justement ben, de pouvoir passer de l'un à l'autre assez rapidement. Et ce que je ferai après, donc ça je peux fermer. Ça aussi. Ah oui, ça c'était la prévisualisation du livre Mets du bonheur dans ton business. L'explication du NaNoWriMo, je peux fermer aussi. Ok, et indique-moi en commentaire aussi si toi tu as un projet d'écriture. Comme ça, ben, on va pouvoir échanger ensemble dessus. Donc, c'est parti pour cette session de travail. Hop, on enclenche le timer. Et on travaille. Alors. Oui, donc ce qui se passe, c'est qu'ici, je voulais absolument aussi donner une certaine
une certaine raison d'avoir choisi 28 jours à vivre plutôt que 30 ou 21, puisque ben, en fait le principe de ce manuscrit, il y en a deux. Le premier, c'est que le manuscrit est né à partir d'un exercice que j'ai fait et que vous allez pouvoir découvrir juste après. Et il y a aussi le fait que ben, il faut minimum 21 jours pour créer une nouvelle habitude, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Pour prendre une habitude, il faut répéter un schéma pendant 21 jours, au minimum. Il y a des études qui ont démontré ça. Mais bon, voilà, pourquoi j'ai pas choisi 21? Ben, parce que l'exercice m'a amené à réaliser cet exercice en 28 secondes, et donc je me suis dit que j'allais m'intéresser au mystère du nombre 28. Donc là, j'avais déjà mis une source que j'allais zioter. Et l'idée, c'est de pouvoir ben voilà, trouver une bonne raison d'utiliser le numéro 28. Et il y en a plein, plein de bonnes raisons. Donc je mettrai le lien vers cette source. Je réécrirai de toute façon l'introduction plus tard, puisque une intro, moi j'écris souvent au début, parce que ça me permet de cadrer ce que je veux. Mais après, je repasse dessus, parce que généralement, ben, on fait la structure, et puis c'est juste à la fin où on écrit l'intro et l'outro. Il faut quand même la réécrire, puisque le manuscrit évolue de fil en aiguille. Donc, ben, l'idée, c'est ça. Hop là. On va faire ça comme ça. Hop, hop. Alors, donc, l'introduction. Et s'il vous restait 28 secondes à vivre, quel message aimeriez-vous laisser à ceux que vous aimez? Alors, en fait, donc, le livre est né lors de la lecture du livre 12 jours de Éric Béhanzin, un livre super sympa que je peux éventuellement bah, vous recommander. En tous les cas, pour la partie exercice, c'est sympa. Voilà, y a des choses à picorer dedans. Alors, en mon avis, je vais laisser le fait que ça vient de de ce livre-là, puisque l'idée c'est de. J'arrive pour te répondre, Myriane. Donc, pop-up, qu'est-ce que je disais? J'ai perdu le fil. Oui, Ben voilà, c'est quand même la source qui m'a permis de faire cet exercice, donc je pense que je vais la laisser. Même si j'avoue que le livre, du coup, le livre en tant que tel, avec du recul. Parce qu'à l'époque, j'avais commencé à écrire ce livre en 2017, j'avais pas spécialement comment dire, lu la seconde partie. Aujourd'hui, j'ai lu la seconde partie où l'auteur a fait un jeûne pendant 12 jours. Et voilà, il y a des choses à prendre, des choses à ne pas prendre. Lydia, est-ce que je peux te demander le livre? Je sais que tu l'as là-bas aussi. Comme ça, je le montre. Je remercie également Lydia et Olivier de m'accueillir chez eux et de me permettre de faire un live. Merci Lydia, oui, toujours. Alors j'en profite, je lis en même temps ce que Myriam a dit. Donc voilà, le livre 12 jours, c'est celui-ci. Hop. Donc voilà, ça c'est le livre 12 jours. Je vais mettre la scène 2. Et donc dans ce livre-là, ben, il y a deux parties. Il y a une partie qui est sur la page de droite, non de gauche, ouais de gauche, qui eh ben, en fait est plus de la théorie des exercices. Et la partie de droite, eh bien l'auteur parle de son jeûne de 12 jours. Et donc le titre c'est 12 jours, l'histoire insolite d'un entrepreneur qui s'isole 12 jours sans nourriture, sans eau et écrit une méthode fulgurante pour vous rendre riche, heureux et fier de vous. Donc voilà, je vous laisse vous faire votre propre avis. Je vous dis, il y a des choses intéressantes. J'ai pu rencontrer Éric Béhanzin deux fois, même trois fois. Donc il y a vraiment des choses intéressantes, je ne dirais pas le contraire. Maintenant, ben, merci beaucoup. Maintenant voilà, j'ai pris du recul par rapport à cette approche. Il y a vraiment de très bons conseils dedans. Et je verrai un petit peu si je laisse cette source. Je pense que oui, de toute manière.
Il n'y a aucune raison en fait que je la retire. C'est pas parce que ça ne me plaît plus que je ne peux pas en parler. C'est ça qui m'a inspiré, je vais le laisser dedans. Alors, Myriane, qu'est-ce que tu écris de beau? Donc, tu as un récit à peaufiner. Je suppose que je peux partager, Myriane, dis-le-moi au fait. Bah, je suppose que si tu l'écris. Et félicitations, tu as déjà 3943 mots. Bah, si tu veux, relève le défi NaNoWriMo. Tu vas sur nanoWriMo.org, tu t'inscris, c'est gratuit, et puis voilà, tu te joins à moi. C'est tout le mois de novembre, donc voilà. Hop, je vais repartager la scène 2. En fait, ici, tu vois, ils expliquent NaNoWriMo, c'est un défi officiel en novembre. Amuse-toi bien. Patch avoir bien. Il y a le NaNoWriMo officiel en novembre. Et le nombre de mots atteint est fixé à 50 000 mots. Et il y a le NaNoCamp en avril et en juillet. Et alors là, on définit l'objectif qu'on veut. Donc voilà, je vous mettrai le lien en description du live juste après. Et donc Myriane partage un vécu dans ce récit. Donc bah écoute, super, félicitations en tout le cas pour tes 3943 mots. C'est super. Bah voilà, félicitations. Donc, la naissance de ce livre, lors de la lecture du livre 12 jours de Éric Béhanzin, j'ai découvert un exercice qui a résumé une grande majorité des réflexions et des questionnements que j'ai eus dans ma vie. Cela faisait des mois que je tergiversais à vouloir faire publier un nouveau livre, sans être certain du message que je voulais faire passer. Cet exercice a été une révélation pour moi, car j'ai enfin pu mettre des mots sur ma réelle vision, ma réelle mission de vie. Et ce qui est paradoxal, c'est que j'ai écrit cela sur un coin de matelas à minuit et demi, à la suite d'une conférence de l'auteur. Je suis rentré, j'ai commencé à écrire à lire son livre, et je suis passé à l'action, sans réfléchir, sans attente particulière. J'aspire à ce que la lecture de mon livre, je vais mettre plutôt de ce manuscrit, et le partage de ce parcours vous donnera également envie de passer à l'action et de reprendre votre vie en main, car sachez que vous êtes acteur de votre vie et que tout est possible à partir du moment où vous l'avez décidé et à partir du moment où vous mettez des actions en place. Et que vous passez à l'action, ouais, c'est très bien pour éviter la répétition. Ok. Donc pourquoi 28 jours? Ben là, il va falloir que je mette du coup la raison ou les diverses raisons. Donc le fait que ça vient de l'exercice, etc. Donc ça, je vais mettre ici, avec la signification du chiffre 28 aussi. Et alors, de 28 secondes à 28 jours. Voici ce que je dirais à mes proches s'il me restait 28 secondes à vivre. Alors ça, c'est fort. Donc, profite pleinement de ta vie, l'argent ne fait pas tout. Vis pour toi avec les autres, sois égoïste dans le respect d'autrui et déballe le cadeau de la vie à chaque instant. Crée ton bonheur et contribue à celui des autres. Rends-toi compte de ce que tu possèdes déjà et profites-en, car ce que tu désires aujourd'hui ne te rendra pas forcément plus heureux demain. Demande-toi ce qui est vraiment important pour toi et décide de l'obtenir en passant de tes intentions aux actions concrètes afin de transformer ton rêve en réalité. Et sois pleinement responsable de ta vie. Tu as le pouvoir, ton libre arbitre. Tu as le pouvoir, hein, ton libre. Tu as un grand pouvoir, ton libre arbitre. Celui qui te permet de choisir, de changer les choses que tu peux, d'accepter les choses que tu ne peux pas changer et d'avoir la sagesse d'en faire la différence. Tu as tout pour être heureux, la vie est un jeu et seuls tes choix, tes actions ainsi que la manière de voir la vie feront ton réel bonheur et celui de ceux que tu aimes. Je t'aime, merci d'avoir fait partie de ma vie. Voilà ce que je dirais à quelqu'un. En tous les cas, c'est ce que j'ai écrit en faisant cet exercice de 30 secondes. Donc en 30 secondes, j'ai écrit ça. Et c'est ce que, en tous les cas, j'aurais aimé dire à quelqu'un. C'est vraiment un exercice puissant, parce que émotionnellement, en fait, vous focalisez sur l'essentiel. Qu'est-ce que vous aurez envie de dire à quelqu'un si vous restez 30 secondes à vivre? Faites l'exercice et dites-moi en commentaire si ça vous parle à l'occasion. Et donc, ben, en partant de ce texte, l'idée, c'est de pouvoir... Du, enfin,
prendre chaque partie et les détailler, puisque là il y a 28 principes, en fait, je m'en étais pas rendu compte, mais il y en a 28, et donc 28 secondes transformées en 28 jours, et vous verrez à la fin, ben, l'idée c'est de pouvoir faire que les personnes puissent passer à l'action, choisir un principe, l'appliquer pendant 28 jours, et puis faire que ce principe soit, entre guillemets, acquis, intégré par la personne qui le met en pratique. Alors moi, j'ai mis une majorité de ces principes en place dans ma vie. Il y a parfois où je passe à côté de certains, mais voilà, l'idée c'est de pouvoir partager ça. Alors la petite anecdote, c'est que quand je parle du libre arbitre, ici en fait je cite notamment la prière de la sérénité. C'est donc la prière de la sérénité, notamment c'est une prière qui est proposée par... on met ce qu'on veut derrière, on s'adresse à qui on veut au niveau de la prière, mais c'est par exemple les alcooliques anonymes utilisent la prière de la sérénité. Et moi je la trouve pleine de vérité, cette prière, parce qu'en fait c'est mon Dieu ou ma puissance ou l'univers, donne-moi la force de changer les choses que je peux. La force d'accepter les choses que je ne peux pas changer et la sagesse de savoir en faire la différence. Bon, je paraphrase, c'est pas exactement ça, mais vous tapez prière de la sérénité dans Google et vous trouverez. Donc, ensuite, j'ai écrit ce texte, grand blanc. Lorsque j'ai écrit ce message, je sentais au fond de mes tripes une énergie bouillonnante et les émotions m'envahirent. Merci, Eric. Dans ce livre, je vous détaille 28 principes que vous pouvez acquérir en 28 semaines, soit 6 mois si vous réalisez un changement par semaine. Vous pouvez également décider d'investir une année de votre vie pour radicalement la changer. Oula, quelle faute d'orthographe! Pour radicalement la faire, radicalement la changer, en étalant chaque principe sur 14 jours, ce qui vous permettra de vivre pleinement chaque principe. La même chose en 2 ans, soit 28 jours par principe, afin de réellement ancrer ses habitudes, à vous d'expérimenter. Résumé du chapitre 1, 3 voies de mise en action au-delà de la lecture complète du livre. Soit on applique un principe à la fois pendant 7 jours pour goûter au changement, c'est égal à 28 semaines, donc 6 mois. Soit on applique un principe à la fois pendant 14 jours pour instaurer un changement. Et là, on arrive à 54 semaines, soit 1 an. Soit on applique un principe à la fois pendant 28 jours consécutifs pour vivre le changement pleinement. Et là, ça donne 108 semaines, soit 2 ans. Voilà. Dites-moi en commentaire, Myriam, ce que tu en penses. Les autres, si vous êtes là, n'hésitez pas à m'expliquer ce que vous en pensez. Donc, ce que je vais faire, c'est appliquer pendant 7 jours consécutifs. Voilà, et je vais faire un copier-coller consécutif. Voilà. Hop. Note, fournir des outils de suivi au changement pour aider. Voilà, donc ça c'est à compléter. Donc, pop, hop. Je rappelle, comme j'ai dit la semaine passée, quand je fais à compléter, ben, en fait ça me permet de faire une recherche après. Donc voilà, admettons, je suis plus loin dans le manuscrit. Hop. Je fais ici, hop, édition, rechercher, remplacer. Moi, je sais que j'ai mis allez, une barre oblique avec un dièse, et voilà, je sais qu'il y a 2 endroits où je dois compléter des choses. Et donc, c'est une astuce que vous pouvez utiliser dans n'importe quel traitement de texte, en fait, outil de traitement de texte. Et donc, ce que je vais même faire. Est-ce que je vais le mettre en couleur? Voilà, ouais, on va le mettre en couleur, en rouge. Comme ça, je sais que je dois le changer. Voilà. Donc voilà pour l'intro. Ça m'a permis de me remettre un peu dans le bain. Indique-moi en commentaire ce que tu en penses. J'ai vraiment hâte, en tous les cas, de pouvoir partager avec toi. Et je vais continuer. Donc, on en est déjà à combien? Un quart d'heure déjà. C'est vrai que j'ai pas beaucoup écrit, du coup, j'ai beaucoup parlé. Faut se dire que pendant les lives, ben voilà, il faut que je comble aussi un peu, parce que sinon vous allez juste me regarder écrire. J'espère d'ailleurs que j'ai remis le micro. Ouais, j'ai remis le micro. Parfait. Okay. Alors, ben on va reprendre, hein. Je vais relire chaque partie. Indique-moi en commentaire si c'est plus facile pour toi que je lise. Comme ça, je sais. Ok, donc le cadeau de la vie. Extrait du texte des 28 secondes à vivre. Profite pleinement de ta vie et déballe le cadeau
de la vie à chaque instant. Le problème, c'est que ça se répète là. Profite pleinement de ta vie. Ouais, donc ici, on va changer. Profite pleinement de ta vie. Donc là, ça n'a pas lieu d'être. Voilà. Alors, et donc du coup, je vais mettre une note, un commentaire, et profite. Voilà, ok. Profite pleinement de ta vie. Au risque de vous déstabiliser, sachez que certaines personnes passent à côté de ce que leur offre la vie. C'est malheureux, mais c'est ainsi. Faites-vous partie de cette majorité qui ne se rend pas compte que la vie file. Quels pourraient être ou quels sont les nombreux regrets que vous aurez à la fin de votre vie? Pourquoi attendre de toucher le fond, d'avoir un accident, un cancer ou encore pourquoi se tuer à la tâche alors que nous avons la possibilité de nous créer une vie meilleure? La vie est un cadeau que l'on se doit de déballer à chaque instant. Pourquoi attendre un événement tel qu'un accident, la perte d'un être cher ou encore notre propre mort pour se rendre compte que la vie est précieuse? Pour moi, la vie se résume à l'équation suivante. Temps plus santé plus votre vision de la vie égale à la moyenne de votre qualité de vie. Avez-vous conscience que votre capital santé est ce que vous avez de plus précieux avec votre capital temps? Ce sont deux ressources irrécupérables. De notre devoir, il est d'utiliser ces deux ressources judicieusement, comme le dit l'un de mes mentors. Ah ouais, ici en fait je voulais faire un. J'avais oublié. Je voulais faire un genre. C'est Yoda qui parlait en fait. Donc du coup, je crois que je vais retirer ça. Pop hop. Ah ouais, ça s'appelle comment, Myriam, le logiciel dont tu parles? L'application? C'est une application qui fait quoi? J'ai pas bien compris. Si tu veux bien partager. De notre devoir, il est, je crois que ça je vais retirer. Ou alors je mets virgule de l'un des mentors nommé Yoda. Comme ça on sait de quoi on parle. Parce que sinon. Et encore, je suis même pas sûr que Yoda il parle comme ça. Je vais retirer ça. Hop, je vais remettre en ici en commentaire. Non, on va le mettre ici. Il est donc de notre devoir. Hop. Ok, ce sont deux ressources irrécupérables. Il est donc de notre devoir d'utiliser ces deux ressources judicieusement. Ouais, donc ici je dois compléter parce que c'est incomplet. Hop, hop. Il est donc de notre devoir d'utiliser ces deux ressources judicieusement. Donc je vais mettre ici, je vais compléter. Ce sont deux ressources irrécupérables. En effet. En effet, il est impossible, on peut utiliser le mot cette fois-ci. Il est impossible de récupérer du temps. Est du temps gaspillé, du temps perdu, gaspillé, du temps perdu, je vais mettre gaspillé entre guillemets. Graspillé, gaspillé. Est impossible de récupérer du temps perdu, ou il est impossible du temps. Ou du temps passé, peut-être. Modifier. On verra. Il est impossible de récupérer du temps perdu. Et il est compliqué de récupérer une santé une fois aborder.
Ah oui, pour oui, tu parles pour retranscrire, oui, effectivement. Oui, je l'ai déjà utilisé, mais moi j'aime écrire, donc voilà. Bah après, c'est vrai que au niveau de podcast ou autre, ça m'arrive d'en profiter pour écrire. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur le sujet. Je vais aller de la retrouver. Comment écrire plus rapidement, David Valls. Et en fait, j'avais fait une vidéo. Bah, vas-y. Voilà, comment écrire ces articles de blog 4 fois plus rapidement. Et en fait, je partageais ce point-là. Donc, je te remettrai le lien dans la description. Enfin, toi, Myriam, tu es au courant. Mais pour celles et ceux qui sont intéressés, ben voilà, je vous mettrai le lien vers l'article, vers le blog. Voilà. Vers le blog, vers la vidéo YouTube. Bon, allez, on perd pas trop de temps. Parce qu'une fois que le temps est perdu, il est compliqué de le récupérer. Donc, ce sont deux ressources irrécupérables. En effet, il est impossible de oui, si c'est irrécupérable, on va peut-être utiliser un synonyme. Ben, non, on va laisser récupérer. Et il est compliqué de. Il est compliqué de. Et il est compliqué de récupérer ou de soigner une de soigner des années de laisser aller ou une fois désolé de laisser aller. Si tu as des idées, Myriam, n'hésite pas. L'idée, c'est de pouvoir faire passer le message que le temps et la santé, une fois qu'on le gaspille, qu'on abîme sa santé, qu'on n'y fait pas attention, bah, par exemple, voilà, si j'ai un problème, un organe, c'est compliqué de remettre cet organe en santé. Et donc, il faut y faire attention un maximum. Et donc, c'est ça que j'essaie de faire passer. Donc, si tu as des idées de formulation, n'hésite pas. Il est compliqué de soigner des années de laisser aller. Car, et encore plus, de revenir à la vie. Et encore plus de revenir à la vie. Et impossible de revenir à la vie. Et bon, on va mettre encore plus de revenir à la vie, on verra. Il est donc de notre devoir d'utiliser ces deux ressources judicieusement. Dans son livre Les 5 plus grands regrets de vie des personnes en fin de vie. Et donc c'est hop ici. Oh, je te l'aurais dit 100 fois. Bon, on va aller voir. 5 regrets. Je l'ai lu en plus, ça. J'en parle aussi dans le livre. Dans le livre. J'en parle dans le livre. Mets du bonheur dans ton business. Oui, Bronyware, voilà. Bronyware. Dans ce livre, Bronyware nous partage que Bronyware. Alors, dans son livre, les 5 plus grands regrets des personnes en fin de vie, Bronyware nous partage qu'une majorité. Nous partage qu'une majorité des personnes regrettent. Des personnes se disent qu'elles auraient aimé. Ouais, on va faire ça comme ça. Ouais, on va faire ça comme ça. Donc elles auraient dû
aimer avoir le courage de vivre la vie qu'elles voulaient vraiment. Elles auraient aimé, et du coup, ah, ça va être chiant dans la formulation. Qu'elles auraient aimé avoir eu le courage de vivre la vie. Donc elles auraient aimé. Qu'elles auraient aimé avoir eu le courage de vivre la vie qu'elles. Non, on va faire autrement. On va garder ça. Et donc, qu'une majorité se dise. Voilà. Se dise, deux points. J'aurais aimé avoir eu le courage de vivre la vie que je voulais vraiment, pas celle que les autres attendaient de moi. J'aurais dû travailler moins. J'aurais aimé avoir le courage d'exprimer mes sentiments. J'aurais aimé garder le contact avec mes amis et j'aurais aimé m'accorder un peu plus de bonheur. Là, faudrait que je vérifie parce qu'il me semble qu'il en manque, qu'il y en a peut-être un qui se répète. Je ne suis pas sûr. Alors, du coup, est-ce qu'on arrive entre guillemets à la fin? Donc, on va mettre. Il faut quand même un passage et une conclusion, du coup. Et vous, allez-vous vivre l'un de ces regrets ou décider de reprendre votre vie en main et de réaliser ce qui est important pour vous? L'objectif principal de ce livre et de vous permettre de prendre conscience de ce qui ne vous convient pas et de vous aider à passer à l'action pour changer et créer pour vous aider à passer à l'action le tout afin que vous puissiez vivre la vie que vous désirez et non celle que d'autres attendent de vous. En résumé, est-ce que je peux encore dire quelque chose sur cet aspect-là? Profite pleinement de la vie. Donc là, c'est OK. Donc c'est la vie est. Profite pleinement de la vie. Profite pleinement de la vie. Hop. Prenez donc le temps de vous poser les bonne question et avancer vers votre vie idéale. Vous découvrirez également qu'il dans les chapitres suivants qu'il vaut parfois qu'il faut parfois prendre soin de soi pour pouvoir mieux prendre soin des autres. En résumé, votre vie est précieuse, donc il est de votre devoir de décider dès aujourd'hui d'être attentif à ce que la vie vous offre. Cela peut être des choses simples ou de belles opportunités. Quoi qu'il en soit, rappelez-vous que demain, vous ne serez peut-être plus là
et faites de chaque jour une ode à la vie. Deux questions pour mettre en application ce principe. Posez-vous la question, qu'est-ce qui m'est arrivé de positif aujourd'hui? Une autre formulation, quelles sont les opportunités qui se sont offertes à moi aujourd'hui? Ouais, là il va falloir repasser. Donc, peut-être mettre action 1. Ah non. On va laisser comme ça pour l'instant. Ensuite, deuxième. L'argent est un moyen et non un but. Alors, si je reprends le texte du début. Pom pom pom, pom pom. Hello à vous, j'espère que vous allez bien. Dites-moi qui s'est connecté. Je vois qu'il y a des gens. Alors, l'argent ne fait pas tout. L'argent ne fait pas tout. Mais donc ici, profite pleinement de ta vie. Le cadeau de la vie. Ah! Mais tu te calmes? Il y a le chat qui m'attaque à cette heure. Et ça va pas la tête. Zut, je suis où là? Ah oui, voilà, je suis là. Pom 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 pom. Ouais, donc je suis remonté trop haut. Donc ici, l'argent ne fait pas tout, on va l'enlever puisque c'est en dessous. Alors, calme-toi. Mais oui, je sais. L'argent ne fait pas tout. Extrait du texte des 28 secondes à vivre. L'argent ne fait pas tout. Très bien. L'argent est le nerf de la guerre dans la société, dans une majorité des régions du monde. Parce que c'est pas partout que c'est comme ça. Du monde. Qui n'a jamais entendu cette expression? Ah ouais, non, du coup ça va pas. L'argent. Nerf de la guerre. Virgule. Qui n'a jamais entendu cette expression? Je vais insérer quand même un commentaire pour regarder ça. Hop. Ben là, la structure, elle est faite, hein, Myriane. Donc clairement, je ne retouche pas la structure. Donc la carte mentale ne me sert pas, ne va pas trop me servir. Parce que la structure, je l'ai travaillée en 2017. Le seul truc, c'est que je ne me suis plus plongé dedans depuis un petit temps. Et donc, il faut juste que je formule les idées sont là. Je travaille juste les formulations, là. Donc, en soi, je sais ce que je veux dire. C'est juste pour la formulation. Mais sinon, c'est une très bonne idée, pardon, par contre, la carte mentale. Moi, personnellement, je suis pas très fan, mais ça peut aider, effectivement. Je suis plus procédural et je dessine, pas forcément sous carte mentale. Je fais soit des schémas avec des grandes idées ou des cercles qui se rejoignent avec des ensembles. Donc, ça peut se rapprocher de la carte mentale. Et sinon, bah, je travaille avec des post-it. Donc je mets des post-it et je peux changer les structures. Donc c'est très très intéressant. Yes, bah, l'objectif ici n'est pas de déconstruire les croyances complètement, parce que je ne saurais pas, parce que je n'ai que 2 pages. J'ai oublié de dire, j'ai que 2 pages par... J'ai que deux... En fait, j'ai 1 page et demie parce que j'ai à chaque fois une illustration qui va venir. Et après, j'ai à chaque fois un résumé et 2 questions pour mettre dans l'application ce principe. Donc en fait, l'objectif n'est pas de faire un livre complet sur chacun des points, mais bien d'initier effectivement l'inspiration. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, bah, ils peuvent évidemment creuser la thématique. D'ailleurs, bah, si tu as des idées, effectivement, n'hésite pas. Alors, donc je vais prendre ce que tu dis. Juste après, comme ça je repasserai avec les filtres que tu me proposes, Myriane. Et d'ailleurs, je vais aller noter du coup ton nom directement dans les contributeurs. Comme ça, je n'oublie pas. Alors, Myriane. Voilà. Merci à toi pour ta contribution.
Alors, donc, l'argent ne fait pas tout. L'argent est le nerf de la guerre. Qui n'a jamais entendu cette expression? De nombreuses personnes sont à la recherche du bonheur et beaucoup pensent que l'argent va régler tous leurs soucis. Pourtant, il existe des personnes riches malheureuses et des personnes pauvres remplies de bonheur. Qu'est-ce qu'être riche, en fin de compte? En effet, la richesse et la pauvreté sont souvent associées à la richesse ou la pauvreté financière. Cependant, il existe d'autres types. Qu'est-ce qui s'est passé là? Oh, je sais pas, il est remonté. Cependant, il existe d'autres types de richesses, par exemple la richesse intérieure. Vaut-il mieux avoir une attitude bienveillante et être entouré de personnes qui nous apprécient, ou bien d'avoir des millions d'euros ou de dollars et d'être entouré de rapaces ou de personnes mal intentionnées ou de personnes avares ou de personnes intéressées par votre argent. Le meilleur moyen d'aider les pauvres est de devenir riche. Ah ouais, donc là je passe du coq à l'âne en fait. Donc ça ne va pas. Donc ici il faut que je fasse une transition. Faut que je fasse une transition. Alors, faut-il mieux avoir une attitude bienveillante, être entouré d'avoir entouré de rapaces? Il est évidemment possible d'obtenir. Il est évidemment possible de créer un équilibre et de pouvoir s'épanouir sans spécialement gagner, sans spécialement être focalisé sur l'argent que l'on gagne. Que l'on gagne. Au final, combien, d'après vous, au final, combien avez-vous? Quelles sont les finances que vous avez besoin chaque mois? Ne serait-ce pas chaque mois pour vous sentir en sécurité, ne serait-ce pas la grande question à se poser. Un autre dicton dit que le meilleur moyen d'aider les pauvres est de devenir riche. Je suis assez d'accord avec cette maxime, tant à partir du moment, je suis assez d'accord avec cette maxime dans le sens. La manière dont j'interprète cette maxime est la manière dont j'intéresse. Yes, je note. Personne toxique, vampire énergétique. Bien que là, je parle par rapport. Je veux en tous les cas focaliser par rapport à l'argent. Vampire financier, ça peut être sympa. Personne toxique.
Peut-être sympa, vampire financier. Parce que là, je veux vraiment mettre l'accent sur l'argent, puisque c'est, on parle de l'argent ne fait pas tout. La manière dont j'interprète cette maxime. Merci, Myriane, pour ta participation, ça fait super plaisir. La manière dont j'interprète cette maxime est. L'argent te permet de t'aider toi, même et non, te permet de contribuer à ton épanouissement et à celui des autres. Car au final, l'argent est un outil. Point d'exclamation. L'argent n'est ni bien ni mal. Ce qui fait la différence, c'est l'intention de son utilisateur. Tout comme le couteau qui peut enlever la vie d'un individu. Ouais, ça je vais changer. Je sais ce que je voulais dire à l'époque, mais j'ai une autre formulation aujourd'hui qui est moins brute. Tout comme le marteau qui peut aider à construire une maison, attends, j'avais fait dans l'ordre positif ou négatif, tout comme le couteau qui peut enlever, tout comme le marteau qui peut blesser un individu ou aider à la construction d'une maison. Yes, l'argent est une énergie, mais je ne suis pas le mieux placé pour en parler. Je vois ce que tu veux dire. D'ailleurs, j'ai une belle histoire avec ça. Enfin, qui parle de ça. Faudrait que je la retrouve. Mais je ne me sens pas de parler. En fait, je te rejoins à 100%. Cependant, je ne me vois pas parler de ça parce que je ne suis pas la meilleure personne pour en parler du fait que l'argent est une énergie. Dans le sens où j'ai encore certaines croyances limitantes par rapport à l'argent, notamment. Et qu'en plus de ça, je ne vois pas comment le formuler. Donc si toi tu as envie d'écrire là-dessus, je vais faire un blog de toute façon pour ce livre aussi. Donc je t'invite à m'envoyer un petit texte, Myriane. Et je ferai un complément de. Ce sera un complément du bouquin. Et tu seras mise en avant, évidemment. Si ça te tente, je te laisse me m'écrire ça. Mais je vois très bien ce que tu veux dire. Enfin, en tout cas, je pense, parce que je suis pas dans ton esprit. Et je résonne avec ce que tu dis, mais encore une fois, c'est pas le bon emplacement et je suis pas la bonne personne, je pense, pour parler du fait que l'argent est une énergie. J'ai envie de parler de l'argent est un outil et du fait que l'argent n'est pas tout. L'argent ne fait pas tout. Pour le reste, à côté, à grand plaisir, si tu veux en parler, Myriam. Alors, tout comme le marteau qui peut blesser un individu ou aider à la construction d'une maison. Commentaire. Tout comme le marteau qui peut blesser un individu ou aider à la construction. Ou au contraire, aider à la construction d'une maison. Le marteau qui peut blesser un individu, au contraire, aider à la construction d'une maison. L'argent. Permet de. Contribuer. Positivement, négativement ou
positivement. Soi-même ou à autrui. L'idéal est donc de d'améliorer sa relation à l'argent et à éviter d'en être esclave et éviter d'en être l'idéal est donc d'améliorer sa relation à l'argent et éviter d'en être à éviter d'en être esclave non et à éviter de courir après sans savoir pour quelle raison, à l'instar d'une personne qui passerait sa vie à économiser des dizaines de milliers d'euros dont il ne profite pas et n'en fait pas profiter d'autres. Il faudrait que je trouve une formulation positive à ça. Formulation positive. Donc voilà. Il y a peut-être une place en fait pour l'énergie, mais ouais, je vais peut-être me laisser tenter, Myriam, en fait. Je vais peut-être essayer de formuler ça. Pardon, excusez-moi. Je fais comme chez moi là. Ça va le faire en live, il y a quelqu'un qui va faire un petit comment on appelle ça? Allez, un petit ralenti de moi qui baille. Ouais, il y a peut-être moyen effectivement de positionner le fait que l'argent est une énergie. C'était quoi encore cette histoire? C'était l'histoire d'un gars qui laissait. En fait, j'ai une histoire qui me vient à l'esprit, mais je n'arrive plus à me souvenir. Enfin, si, je me souviens, mais j'arrive pas à avoir un titre pour éventuellement la retrouver sur Internet. En fait, c'est l'histoire d'une personne qui descend, qui a dormi dans un hôtel, et il laisse en fait 50 euros à l'entrée de l'hôtel, sur la. Aller sur la sur le comptoir parce qu'il y a personne qui est là et il doit partir absolument donc il laisse les clés et il laisse l'argent pour payer sa nuit d'hôtel et en fait il y a quelqu'un qui vient et qui prend ses 50 euros et en fait ce qui se passe c'est que ben, ces 50 euros vont faire le tour du village et revenir jusqu'à l'hôtelier parce qu'en fait quelqu'un devait de l'argent à l'hôtelier. Et donc en fait ça montre à quel point l'argent est une énergie et que l'énergie s'est transmise dans tout le village. Sauf que ben, je ne me souviens plus de cette histoire. Si ça te parle, ben, je suis preneur. Je vais essayer de retrouver vite fait. Ouais, je mets de l'argent est une énergie pour voir. Yes, d'avoir un autre regard, je suis d'accord. Mais du coup, quel regard? Parce que c'est bien beau. Enfin. L'objectif, c'est pas de te contredire, Myriam, c'est d'essayer de co-construire ensemble. Mais concrètement, oui, on a un regard sur l'argent aujourd'hui. La majorité des personnes ont un regard sur l'argent aujourd'hui. Ce regard, c'est, ben voilà, l'argent, comment dire, pour beaucoup, l'argent est une finalité en soi. Ils pensent qu'ils vont être plus heureux parce qu'ils vont avoir plus d'argent. Ce qui n'est pas forcément vrai, ce qui est même faux d'après moi. Après, c'est ma vérité. Mais du coup, quel est.
quelle est l'image, enfin quelle est l'autre vision que tu veux donner, par exemple? Parce que tu vois, avoir un autre regard sur l'argent, d'accord, mais quel autre regard? Quel est cet autre regard que toi tu as envie de partager, Myriam? Va falloir que je regarde un petit peu. D'ailleurs, je vais prendre note directement pour la biblio. Alors, bibliographie, j'avais mis ça où? Alors, on va rajouter ici. Hop. Donc, titre 1, bibliographie. Titre 1. Hop. Alors, il y a celui-là qu'on va regarder. Oui, d'accord. Donc ça, c'est ce que je dis ici. Le fait, voilà, à l'instar d'une personne qui passerait sa vie à économiser des dizaines de milliers d'euros dont il ne profite pas et ne fait pas profiter les autres. Donc là, on se rejoint. Oui, je suis d'accord. Je vais me documenter. Très bien. Mais toi, quel est le message que toi... quelle est la vision que toi tu veux donner ou tu voudrais donner dans un texte, par exemple, pas spécialement celui que j'écris, mais concrètement, voilà, moi j'ai une vision par rapport à l'argent qui peut être limitée, par exemple. Et concrètement, quelle est la vision que tu voudrais me donner? Quelle est la vision que tu voudrais donner toi à quelqu'un qui se dit que l'argent va le rendre plus heureux? Quel est l'autre penchant que tu voudrais donner? Que l'argent est une énergie, d'accord, mais ça veut dire quoi pour toi? Ça m'intéresse d'avoir ton avis parce que c'est super enrichissant et je vais creuser la thématique de toute manière, c'est sûr et certain. Mais du coup, à mon avis, je vais passer à un autre point parce que l'objectif, c'est que j'écrive et à mon avis, je vais me documenter en dehors des sessions d'écriture pour dire d'être quand même productif en termes d'écriture parce que là, du coup, il me reste 8 minutes, waouh, ça va trop vite, ça va trop vite. Et d'ailleurs, si tu as des ressources, Myriam, je suis preneur. Hein. J'espère que la manière dont je parle ne te frustre pas trop. Je suis vraiment dans l'échange. Ça me passionne assez bien. Donc ne le prends pas comme une remise en question ou autre. Hein. C'est vraiment un échange. Voilà, donc je repasserai ici, donc je vais mettre ici, à compléter, l'argent est également une énergie, blablabla, il faudra compléter. Alors, il me reste 8 minutes, on va voir si on peut pas faire le suivant, ou en tous les cas avancer dans le suivant. Alors, soyez égoïste, alors... Donc là j'ai mis les deux et donc je vais mettre la date. Donc là on est le 6 du 11 2019 à... Oh allez, arrête de m'ennuyer. On est le 6 du 11 2019 à 17h25. Et là c'est pareil. Cool, ben ça me fait super plaisir que tu sois là. Le hasard fait bien les choses. Même s'il n'y a pas d'hasard en fin de compte. Alors je vais retirer ça. Sois égoïste. Soyez égoïste. Alors, soyez égoïste. Extrait du texte des 28 jours à vivre, sois égoïste. Dans la vie, il y a deux types de personnes qui comptent, vous-même et les autres. Je me demande si je... Ouais, vous. Premièrement, vous-même. Premièrement, vous-même. Deuxièmement, les autres. Point. Lorsque quelqu'un pense à lui-même, on parle d'égoïsme. D'ailleurs, le terme égoïsme provient du mot grec ego, qui signifie, et là, il faut que j'aille chercher la définition du mot ego. Alors, Larousse, on va prendre Larousse. Alors, Larousse, où es-tu? Ici. Hop. On va aussi le mettre dans la biblio. Boum. Et il est...
Boum. 27. Hop là. Donc, papapam, il reste combien de temps? Ah, 4 minutes, ça presse, ça presse. Alors, égaux, non masculin, variable, calqué de l'allemand. Hein? D'après le latin, égaux, moi, oui, d'accord. Des analyses apparentées, égaux. Origine du mot ego plutôt. Ou du mot égoïste, alors, du coup, puisque je parle d'égoïsme. Égoïste. Le Wiktionary. Magnifique. Dictionnaire libre. D'après le littré, non. Enfin oui, ce serait intéressant, mais vous préférez la rousse quand même. Je préférerais la rousse. Bon, quand même. C'est pas la top préférence, ça, mais bon. Faut peut-être que je lise la suite déjà, parce que. Donc là, je vais mettre à compléter. À compléter. Définition. Du mot grec ego. L'égoïsme, pour une majorité des gens, est associé à un aspect négatif. Pourtant, cela a du bon d'être égoïste. Premièrement, car il est plus complexe d'aider les autres si soi-même on a des problèmes. Oh, quelle formulation de merde. Et du coup, j'ai deuxième fois premièrement. Ouais, donc je vais mettre. Yes, je vais noter ça après au-dessus, je ferai une copie de ce que tu me dis, Myriane. Je te remercie pour ta participation. Premièrement, pop-up. Ouais, ben, on va voir. Premièrement, car il est plus complexe d'aider les autres si soi-même. Si. Premièrement, car il est plus complexe d'aider les autres. Si soi-même. On a des problèmes, on va laisser comme ça. Penser à soi permet donc de nous créer une vie agréable et nous permet d'être dans un état suffisamment confortable pour pouvoir aider convenablement les autres. Pour pouvoir convenablement aider les autres. L'exemple de l'avion est représentatif. En cas de problème lors d'un vol, la première consigne est de vous mettre le masque à gaz à vous-même avant de vouloir sauver les autres. Car si vous tombez dans les pommes, vous ne pourrez plus aider personne. Deuxièmement, car être égoïste permet de se ressourcer, ce qui nous permet de contribuer par la suite. A priori, nous avons toutes et tous besoin de moments bien à nous, se retrouver face à nos pensées lors d'une méditation ou d'une promenade, par exemple. Une promenade par exemple. Il peut être bon, voire jouissif, de s'autoriser l'achat d'un gadget inutile, mais qui nous remplit de satisfaction et revenir fier et plein d'énergie. Sous-entendu, nous avons éliminé une frustration, ce qui est bénéfique et nous permet d'aider les autres, d'être disponible pour les autres. De mieux être disponible pour les autres. Troisièmement, car être focalisé uniquement sur les autres ne permet pas l'épanouissement. En effet, si vous servez uniquement les objectifs d'autres personnes, que vous comblez les besoins d'autrui sans penser à combler vos propres besoins, attentes et envies, vous risquez fortement une perte de sens, voire une dépression. Voire une perte de goût à la vie. C'est mieux. Vous devez combler vos besoins tout en aidant les autres à combler les leurs. Il y a ici une notion d'équilibre entre l'ego, recevoir, et l'altruisme, donner, dont je vous reparle dans quelques pages. La formule magique d'une vie épanouie pourrait donc être la valeur reçue par les autres ou par soi-même égale la valeur donnée aux autres. Poitons de. Pourrait donc être. Ouais, on va laisser ça comme ça.
Donc, penser à soi-même est une manière de contribuer au monde, car cela nous permet de redonner, par la suite en créant de la valeur. En résumé, votre vie est précieuse. Ouais, donc ça, j'ai pas encore fait le résumé. En résumé, l'idéal est d'apprendre à s'écouter. À mon avis, j'ai pas fini. Ah, j'ai fini. Pas grave, je rajouterai du temps. L'idéal est d'apprendre à s'écouter. L'idéal est d'apprendre à s'écouter afin de pouvoir. Afin d'avoir conscience de ses propres. De vos besoins, attentes et envies. D'apprendre à vous écouter, du coup. Vos besoins, vos attentes et vos envies. Et de créer un équilibre entre les moments où créer de la valeur pour vous-même et celle ce où vous créez de la valeur pour tous les autres. Alors, en résumé, l'idéal est d'apprendre à vous écouter afin de prendre conscience de vos besoins, vos attentes et vos envies. Vos attentes et envies. Afin de pouvoir vous respecter et vous ressourcer. En effet, c'est le seul moyen, en effet, prendre soin de vous vous permet ensuite de prendre soin des autres. Il y a donc une... Il faut donc créer un équilibre entre les moments où vous créez de la valeur pour vous-même et ceux où vous créez de la valeur pour les autres. Non. Il faut donc jongler entre les moments où vous créez de la valeur pour vous-même et ceux où vous créez de la valeur pour les autres. Prenez donc en considération qu'être égoïste est un moyen de vous ressourcer, peut vous permettre de vous ressourcer, qu'être égoïste n'est pas forcément péjoratif et que cela peut même être bénéfique pour vous, tant pour vous-même, tant pour vous que pour ceux que vous côtoyez. On va s'arrêter là. Je vais peut-être trouver deux actions, deux questions. Et ensuite, je vais lire les statuts de Myriane et d'autres. Alors, deux questions pour mettre en application ce principe. Posez-vous la question. Quels sont mes besoins, attentes et envies?
du jour. Une autre formulation. Comment est-ce que je pourrais prendre soin de moi aujourd'hui pour mieux aider les autres demain? Voilà, on y est les amis. Donc, je ne sais pas combien de mots j'ai écrit aujourd'hui. On va voir le résultat. Alors, du coup, en sachant que j'ai retiré des mots, etc. Mais bon, enfin, c'est pas grave en soi. Alors, je suis à 6736 et j'étais à 6381. Donc, aujourd'hui, on va mettre... eh oh, qu'est-ce que tu fais, toi? Non, non, j'ai pas autant de mots. Ici, 6736, 6736, Total Words. Comment je me sens? Je me sens très bien. Ce que j'ai écrit au bureau, avec le laptop, il est 38. On est le 6 du 11 et j'update mon progrès. Très bien. Yes. Rebonjour. Ah, je vais avoir fini. Voilà. Très bien. Ça a mis le projet à jour. Super. Alors, je vais vite prendre les notes que Myriane a mis. Alors, je vais aller du coup sur le profil et voir la vidéo. En tous les cas, ben, toi qui regardes ce replay, ben, indique-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette session d'écriture. Si tu as envie de partager, de contribuer, je suis ouvert aussi, donc mets en commentaire ben, ce que tu as comme idée. Et évidemment, ben, laisse-moi ton nom, ton prénom, comme ça je peux donc te recontacter. Alors, je vais juste prendre note vite fait de ce que nous a proposé Myriane. Alors, ici, hop, l'idéal pouvoir 1. L'ego conscient de sa dépendance, de sa connexion à l'esprit peut. Ok, je vais prendre ça aussi. Ok, ensuite, l'argent est un moyen d'échanger du talent. C'est très très intéressant. Voilà. Boum. Ouais, voilà. Faudra que j'aille après, à mon avis. Pom pom pom. Ok. Bon, bah, j'irai voir après parce que je pense qu'il y a encore d'autres choses. Ouais, ok, très bien. J'ai tout noté. Donc, je vais reprendre ça et je vais aller le mettre ici. Donc, dans les notes par rapport à l'argent. Je vais faire ici, l'argent ne fait pas tout. Je vais faire, hop, un commentaire. Note proposée par Myriane. Hop, ici. Et alors ici, je vais reprendre par rapport à l'ego, puisque... les cuisines de ma vie. J'ai pas compris. Ah oui, l'ego. Ouais, oh, c'est joli. C'est joli. Ça y est, Lydia fait de l'impro. Hein? Bah, Lydia est influencée par les pubs. Voilà, note proposée par Myriane. Très bien. Voilà, ben j'espère que cette session vous a plu, en tous les cas. Moi, je me suis bien amusé. Bon, j'ai pas écrit grand-chose. J'ai l'impression que je suis passé de... attends, j'ai pensé voir l'évolution du projet. Oui, d'accord, j'ai ça, une progresse. J'aimerais bien en savoir plus. Sur l'évolution du projet. Goals, d'accord. Show all goals, active goals, past goals. D'accord.
Ah, d'accord, en fait, je viens de comprendre un truc. Bon, on va mettre le voilà, le prochain goals. Non, mais non, ça va pas. Non, c'est bon alors. Ah, en fait, il n'y a pas moyen d'avoir le détail de combien de mots on écrit. Bon, écoutez, de toute façon, c'est pas le plus important. Ok, génial. Ben voilà, j'espère en tous les cas que ça vous a plu. Prenez soin de vous. On se retrouve bah, très bientôt pour cette pour bah, la prochaine session d'écriture. Moi, je vais simplement donc uploader cela sur YouTube aussi, et je vais créer une playlist sur la page Facebook aussi. Donc voilà, comme ça, vous avez regardé ça à deux endroits en fonction de ce qui vous convient. Hello à la personne qui vient de se connecter. Qui es-tu? Indique-le-moi avant que je termine cette session. Indique-moi qui tu es, d'où tu viens, quelles sont tes éventuelles questions, quel est ton numéro de compte. Ah non, pas ton Oh. numéro de compte. Parce qu'après, je vais devoir verser de l'argent. On a parlé d'argent aujourd'hui dans cette session, c'était très intéressant. La relation à l'argent, le fait que l'argent est un outil, qu'on puisse faire le bien et le mal avec, et le fait que l'argent était une énergie. Je comprends. Et ouais, il y a plein de belles choses, hein, la co-création, c'est génial. J'ai déjà deux co-créateurs dans ce livre, c'est cool. Alors. Ah, mais c'est peut-être Myriam, parce que je viens de voir un commentaire qui avait été rajouté. Ah non, c'est bon, je l'avais déjà noté. Ok, bon, bah, je ne sais pas qui est là. Je vais clôturer doucettement. Je te souhaite en tous les cas plein de belles choses. Rappelle-toi que tout est possible à partir du moment où tu l'as décidé et à partir du moment où tu mets des actions en place. Impact positif et bienveillance. C'était David de businessbonheur.com. On se retrouve prochainement pour la troisième session d'écriture de ce défi NaNoWriMo, défi d'écriture. Publier un livre en 30 jours. Prends soin de toi. À très vite. Et on se retrouve aussi bientôt pour un live informel, mais ça, c'est encore autre chose. Salut!